viens de découvrir le monde d'intelligence artificielle. Et comme je viens de le découvrir, c'est-à-dire son efficacité m'a poussé à faire donc une vidéo pour aussi pouvoir partager avec mes abonnés. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'intelligence artificielle, et ensemble on va voir comment ça fonctionne. Quand j'ai scrollé sur YouTube, je suis donc tombé sur une vidéo qui parlait de l'intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, il a donc proposé quelques intelligences artificielles à télécharger. Et je me suis rédigé si rapidement, j'ai pu télécharger une application pour aussi faire ma part de ces voix. Quand j'ai téléchargé, c'est-à-dire tout ce que tu demandes à l'intelligence artificielle, ça te montre. Donc c'est là où j'ai compris que donc, certains utilisateurs YouTube, voire même Facebook, la plupart utilisent l'intelligence artificielle. C'est du waouh les gars. Alors si tu n'es pas encore, alors si tu ne connais pas encore le monde d'intelligence artificielle, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre étape par étape comment ça se fonctionne. Alors sans perdre de temps, on se redirige rapidement sur l'une des applications que j'utilise actuellement. Voilà. Alors la famille, on se dirige vers l'application Play Store. Alors on se dirige rapidement vers Play Store si tu as l'Android. Donc si tu as l'iPhone, tu pas dans App Store. On écrit dans Play Store ou App Store, tu écris Chat IA. Tu écris Chat IA. Voilà. Tu fais dans la barre de recherche, tu écris Chat IA. Voilà. Voilà donc l'application en question. Voilà cette fameuse application. Voilà, ça c'est ce que j'utilise. On essaie un peu d'installer, voir. Voilà, ma part c'est déjà installé. On me demande de faire la mise à jour, mais ce n'est pas l'essentiel. Ma part est déjà installée. Je ressors. Maintenant, voilà l'application en question qui a été déjà installée dans mon téléphone. On entre dans l'application en question pour vérifier l'efficacité de ça, s'il vous plaît. On entre dans l'application en question. Et je vous assure que l'application est hyper gratuite. Donc, c'est gratuit. Ce n'est pas payant, les gars. L'application en question est gratuite. Voilà. On dit ici en bas, commencer la discussion. Vous cliquez sur ça. Voilà. Voilà, ici. Ici en bas, on vous demande de poser vos questions. Vous voyez ici en bas, on vous demande de poser vos questions. Vous cliquez sur ça. Je vais demander par exemple les mots clés de divertissement. Pour ceux qui font les divertissements sur YouTube, sur leur chaîne, non, les mots clés de la chaîne YouTube, vous voyez, je vais écrire mots clés. Mots clés de divertissement. De divertissement. Voilà, je demande les mots clés de divertissement à ChatGPT, à l'intelligence artificielle. Vous allez voir comment ça va donner. Ça va m'afficher les mots, les différents mots-clés. Voilà. Si rapidement, vous avez vu, non? Voilà, voilà les différents mots-clés. Voilà ça. Voilà les mots-clés que tu dois, par exemple, si tu veux appliquer, si tu veux écrire les mots-clés de ta chaîne YouTube et que sur ta chaîne YouTube, tu fais uniquement le divertissement, tu viens demander à l'intelligence artificielle les mots-clés de divertissement. Tu vas voir, on te dit amusement ici en haut. Ça, c'est amusement. Ça, c'est divertissement. Ça, c'est détente, ça, c'est distraction, ça, c'est loisir, récréation, plaisir, jeu, spectacle, animation. Voilà. Ça, c'est les mots-clés de divertissement. Donc, tout ce que tu demandes à l'intelligence artificielle, il te dit seulement. Je vais encore essayer l'autre. Je vais encore poser quelques questions. Je vais dire... Je vais demander quoi? Bon, je vais demander les tags de la chaîne de divertissement. Non, les tags des vidéos de motivation, autant pour moi. Les tags des vidéos de motivation. Motivation. Voilà, tu lances les recherches. Voilà. Voilà les tags. Voilà les différents tags. Voilà ça, tout ça, ce sont les différents tags. Inspiration, détermination, persévérance, objectif, succès, confiance en soi. Ça, ce sont les tags. Hein? Voilà, dépassement de soi, motivation quotidienne, citation inspirante, développement personnel.
Vous voyez, donc tout ce que tu demandes à l'intelligence artificielle, il te montre. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de trop payer certaines applications pour pouvoir booster ta chaîne YouTube. À travers cette intelligence artificielle, tu as droit à toutes les informations. Et c'est super gratuit, comme je vous dis là, c'est gratuit. Ce n'est pas payant parce que ce que j'utilise actuellement, c'est hyper gratuit. Donc, merci d'avoir allé télécharger ça et fait l'essai et revenez me témoigner ici en commentaire. Donc désormais, grâce à l'intelligence artificielle, tu peux donc bosser ta chaîne YouTube. Pourquoi même pas ta page Facebook et même ton compte TikTok? Parce que toutes questions que tu demandes, parce que toutes les questions que tu poses à l'intelligence artificielle, il te répondra ça tout simplement. Donc si tu demandes le titre d'une vidéo, tu écris juste que le titre d'une vidéo de tel, il te donne le titre que tu dois écrire, même dans tes vidéos. Moi personnellement, les titres de certaines de mes vidéos, je demande juste à l'intelligence artificielle. Tu vas voir, l'intelligence artificielle va me présenter plusieurs titres. Ça dépend de moi de choisir donc la qualité des titres qu'il faut, que je dois mettre dans mes vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aller télécharger, comme je vous ai dit. Allez confirmer aussi et venez me témoigner ici en commentaire. Si tu n'es pas abonné sur ma page, comme je vous ai dit, n'hésite pas à cliquer juste sur le bouton s'abonner. Abonne-toi. Active aussi la cloche de notification pour recevoir plus de mes vidéos. C'était Jérémy Officiel. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.